Hello tout le monde! Ça fait trop bizarre de parler à mon sel. Comme ça, je sais plus comment faire. Ça fait officiellement un mois que j'ai accouché, fait que j'ai pris vraiment une longue pause. Ça fait du bien, mais j'ai vraiment voulu beaucoup de fois faire des vlogs. Mais on dirait que j'avais pas la force mentalement. Genre, j'avais le goût, mais j'avais pas l'énergie pour. Fait que je suis contente de recommencer, entre guillemets, mais je suis vraiment pas sûre à quel point que je vais recommencer. Régulièrement, on s'entend, parce que c'est assez difficile avec un nouveau-né qui demande souvent les bras. C'est vraiment un bébé à bras. On a des petites techniques là. J'ai une amie qui m'a donné une chaise vibrante, genre, avec un mobile au-dessus qui fait de la musique. Là, vous entendez peut-être le petit bruit blanc. Mais c'est comme son affaire. Bref, là, tu sais, j'avais tellement acheté d'affaires. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez vu dans mes vidéos là, comment j'avais acheté le stock. Of course que j'ai pas eu besoin de tout ça. Mais j'avais acheté comme plein d'affaires justement pour bébé, mettons, pour qu'il chill. Même après avoir accouché, là, on avait fait acheter à ma belle-mère un snuggle me en panique parce qu'il voulait pas dormir dans son lit. Puis finalement, il ne trippe pas plus sur le snuggle me. J'ai reçu aussi d'une compagnie un genre de snuggle me, mais vibrant, qui fait aussi de la musique ou des bruits blancs. J'avais aussi la chaise bouncer, le Baby Bjorn, en tout cas. J'avais plein d'affaires, puis finalement, il aime vraiment la chaise vibrante qui bouge, puis tout, là. En tout cas, je sais pas pourquoi je parle de ça très important, quand ça fait un mois je sais pas parler. Mais mon cerveau, c'est ça, il est juste en mode bébé ces temps-ci, il y a rien d'autre qui rentre. Des fois, mon chum me parle de quelque chose d'autre, j'oublie, 2 secondes après, j'y redemande, c'est quoi que tu me dis, parce que c'est ça, mon cerveau, il est pas très efficace en ce moment, mais c'est normal. Mais sinon, ça va vraiment bien pour vrai, puis ça a été bien, vraiment, depuis le début, pour moi, personnellement. C'est sûr que mentalement, c'est plus dur des journées que d'autres. On s'entend parce que mon chum, il a recommencé à travailler assez vite. C'est sûr qu'il est à son compte, fait que, tu sais, il peut faire les horaires qu'il veut, mais il passe souvent le matin, dans le fond, puis il revient... comme pour l'heure du dîner, après dîner. Des fois, il fait des journées complètes aussi. Fait que ça fait vraiment des grosses journées. Surtout que c'est ça, c'est un nouveau-né, hein, fait qu'il faut le nourrir aux 2-3 heures. Fait que ça revient vite. Puis, comme je dis, c'est un bébé à bras. Fait que si je te dépose dans son lit, dans son snuggle-me, peu importe, pour faire autre chose, il trippe pas. Il commence à aimer un peu plus ça parce que là, c'est un grand garçon maintenant. Là, il est rendu à 1 mois. Fait que c'est pour ça aussi que je filmais pas, c'est ça. Parce que j'avais tout le temps le bébé dans les bras. De un, c'est difficile. Ça fait mal au bras à longue. De deux, je veux pas le montrer. Fait que filmer avec sa face, ça serait difficile. C'est pour ça que je filme quand il est dans son lit. Mais je l'entends chigner un peu. Je ferai pas un récit d'accouchement dans ce vlog-ci. Par contre, si vous voulez que j'en fasse un, peut-être l'écrire dans les commentaires parce que je ferai pas genre une vidéo de 30 minutes à vous jaser si personne veut savoir ou tu sais si ça n'intéresse pas personne. Fait que juste à me l'écrire en commentaire si ça vous tente. Parce que c'est sûr que c'est comme tous les accouchements, là, c'est tout le temps. De l'imprévu, plein de choses qui se passent auxquelles que tu t'attendais pas. J'avais vraiment pas fait de plan de naissance, je me faisais zéro attente, mais il y avait une chose auquel j'avais pas pensé et c'était que je pouvais être en travail, en accouchement pendant plus que 24 heures. Fait que ça m'a bien surpris, mais ça m'est arrivé pendant 32 heures. Mais c'est ça, comme je dis, tout a bien été. Physiquement aussi, ça va vraiment bien pour vrai. Genre, 2 jours après avoir accouché, là, j'étais déjà en train de marcher avec Maggie, c'est sûr que je marchais pas. Full rapidement, mais je marchais quand même bien. Puis vraiment, physiquement, la recovery, ça l'a vraiment bien été. Je suis vraiment contente. Même la bedaine, c'est fou comment que ça a parti vraiment vite. C'est sûr que ça reste, que c'est pas mon corps d'avant, mais ça, c'est bien normal. Puis ça, je m'en fous complètement. Mais c'est quand même fou de voir l'évolution. La veille que j'ai accouché, j'avais tellement de bedaine énorme. Puis comme même pas 5 jours après, j'ai plus rien. Fait que c'est vraiment spécial, c'est vraiment fascinant. Notre petit bonhomme, il va super bien. Il est vraiment pas difficile tant que ça, à part qu'il veut être dans les bras. Mais sinon, c'est ça. C'est un gros glouton qui veut boire tout le temps. Puis qui boit vraiment vite. Fait que des fois, ça va créer des petits
inconforts au niveau de sa digestion. Mais c'est normal parce qu'il boit vraiment, vraiment, vraiment vite, ça n'a pas de sens. Même quand on était à l'hôpital, ça n'avait pas de bon sens. J'étais tout le temps en train d'allaiter. Fait que c'était vraiment challengeant à l'hôpital. Pour vrai, c'était ça la pire partie, je trouve, c'est on n'a pas dormi pendant genre 60 heures du moment où ce que le travail a commencé jusqu'à temps qu'on revienne à la maison. On n'a pas dormi. Parce qu'à l'hôpital, on s'entend qu'on dort pas. Et oui, c'est vrai, si vous ne le savez pas. Parce que si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé un peu dans un Q&A. Parce que j'ai quand même été plus active sur Instagram là, durant le dernier mois. Mais c'est ça, finalement, j'ai accouché à l'hôpital parce que, comme je dis, j'ai eu un accouchement qui a duré 32 heures. Fait que ma année, après 24 heures, j'étais comme, OK, on s'en va à l'hôpital, c'est assez. Mais c'est ça. Là, il chigne un petit peu, mais il va sûrement se rendormir. Je reviens. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est, premièrement, constat. On se prépare full pour l'accouchement, on se prépare full pour. Tout ce qui a rapport à ça, la grossesse, etc. Mais on se prépare, en tout cas personnellement, on se prépare pas pour après, quand le bébé est là. Puis pour vrai, c'est ça qui était le plus gros choc ou ce qui est le plus difficile, je trouve. C'est vraiment l'adaptation puis la vie avec un bébé, un nouveau-né. Surtout que moi, j'avais jamais changé de couche, j'avais jamais pris un bébé dans mes bras, c'est quoi, puis mon chum non plus. Bon, je suis venue à la rescousse de mon bébé qui pleure, mais finalement, il s'est rendormi comme d'habitude. Je m'attache les cheveux parce que ma phobie, c'est de perdre un cheveu puis qu'il s'enroule autour de ses mains. Je vais vous parler comme ça parce que je pense que ça va être la seule manière que je vais être capable de faire un vlog d'ici les prochains temps. Vraiment tout le temps, pratiquement l'avoir dans les bras. Si je le mets dans sa chaise vibrante ou dans son snuggle-me, peu importe, il me fait pas plus que 30 minutes, 45 minutes. Tandis que quand j'ai dans les bras, il est parti pour une ou deux heures. Fait que, bref. On va finir par l'avoir, hein, mais c'est ça. Quand on est seul, c'est plus difficile. Quand mon chum est là, ça va super bien. Ma mère, elle vient souvent m'aider aussi, tu sais, quand mon chum part pour une journée complète, là. C'est pas le meilleur angle, là, par exemple, pour mon profile. Mais bon, vous voyez sa petite tête, sa petite rosette tellement cute. bon, je sais plus qu'est-ce que je disais. Avec le mois qui vient de passer, a passé très vite. Ça passe tellement vite les journées, mais c'est vrai que c'est des longues journées. T'sais, les heures sont longues, mais ça passe vite. C'est pas, ça passe pas lentement. Là, je trouve que les journées passent super vite. Puis les journées sont longues et se ressemblent aussi. C'est comme le jour de la marmotte. À chaque 2 heures ou moins, on nourrit bébé, on change la couche, on l'entertaine un peu, puis on essaie de le rendormir. Fait que c'est ça. Mais là, je sais pas trop éventuellement quand il va commencer à être plus éveillé longtemps. Il est quand même très éveillé comme bébé, pour vrai. Il fait pas tant de siestes le jour. Je sais pas si c'est parce qu'il aime pas ça dormir dans son lit ou qu'il est juste vraiment éveillé, mais même la nuit, des fois, là, il a les yeux très, très ouverts puis il regarde partout. Ses beaux petits yeux bleus. Il ressemble zéro à moi. Il a les cheveux quand même pâles, les sourcils pâles puis il a les yeux bleus. Il ressemble à son père. Fait que c'est ça. Là, on est samedi le. Je sais pas quelle date. Par chance, je sais on est quel jour. Ouais! Mon chum, s'en allait voir les Canadiens ce soir. Ça fait longtemps que c'est prévu, là. Fait que, inquiétez-vous pas, là. Il se fait pas des soirées de boys à chaque semaine. Mais ça fait longtemps que c'est prévu. Puis c'est contre les Maple Leafs. Puis lui, c'est son équipe préf. Fait qu'il a comme pas le choix d'y aller. Ma mère va venir m'aider tantôt. Sinon, quoi d'autre? Sans faire un récit d'accouchement, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur mon petit boy? Ouais, il est vraiment vieilli, il est vraiment glouton. Il est vraiment fort. En tout cas, je sais que tous les parents disent ça, leur enfant est donc merveilleux. Mais comme ça n'a pas été long, lui, que il se lève la tête vraiment intense, genre. Là, je ne veux pas vous le montrer, fait que je ne mettrai pas des vidéos, là, mais vraiment, là, il se lève la tête, là, puis il la tient, là, quand il est sur le ventre. Il fait des petits sons vraiment cute. Hein? Coucou! Puis sinon, ça va super bien avec Maggie aussi. Elle est vraiment curieuse. Elle va tout le temps le sentir. Des fois, c'est même trop. Comme des fois, quand il dort, mettons, dans sa chaise ou dans son. Tantôt, justement, t'allais marcher puis il était dans son banc d'auto. Puis quand on est revenu, on l'a mis le banc d'auto à terre. Maggie, elle se met la tête direct dedans. Puis lui, il dort, genre. Fait qu'en tout cas, c'est juste cute. Je trouve ça difficile de ne pas pouvoir donner autant d'attention à Maggie, mais c'est normal. Sinon, il aime beaucoup prendre son bain aussi. Il est vraiment long, il est grand. Puis, il pesait 8 livres à la naissance quand même. Hein. Il a accouché finalement à 41,2 semaines, si jamais vous êtes curieux.
Comme je dis, j'avais tout dit ça sur Instagram. Fait que je sais pas à quel point tout le monde ici me suit sur Instagram, mais si jamais vous me suivez pas sur Insta, le lien vers mon Insta il est toujours dans la description de la vidéo. Puis comme je dis, je suis tout le temps plus active là-dessus. J'aime full ma chaise berçante sur YouTube aussi. Je l'utilisais vraiment quand j'étais enceinte aussi, mais là, à bercer bébé, on est pas mal toujours assis dedans. J'aimerais ça aussi peut-être dans cette vidéo-là vous dire comme les trucs, mes musts que j'utilise. Parce que c'est ça, dans mes hauls que je faisais Amazon des derniers temps, genre mes hauls pour bébé, pour postpartum, pour l'accouchement, j'avais tellement de stock, puis c'était sûr, mais j'ai besoin d'un quart de ça. Fait que je pourrais vous dire ma liste officielle des trucs essentiels. C'est fou aussi comment juste avoir un bébé, là je comprends vraiment toutes les mums ce que vous dites. Des fois j'écoute des vlogs de maman, puis je me. Pas que je relate pas, mais je comprenais pas à quel point. Puis là, quand t'as un enfant, tu comprends tout ce que ces personnes-là disent, comment que c'est vrai. Tu sais, des fois, juste les filles qui disent qu'ils n'ont pas le temps de prendre leur douche, qu'ils oublient de manger, qu'ils oublient de boire. Tu sais, dans ma tête, je me disais, ben voyons, à quel point, genre, tu sais, au pire, c'est pas grave, prends ta douche pareil, même s'ils pleurent. Ou tu sais, voir que t'as pas le temps de boire de l'eau, que tu y penses pas. Puis là, un coup que t'es maman, tu comprends tout ça, comment que c'est vrai. J'ai jamais été autant, pas en santé, mais comme. Je bois vraiment pas beaucoup d'eau, je mange pas super bien, puis je mange pas beaucoup. Puis ma douche par exemple, j'apprends, mais j'apprends en vitesse, puis des fois le bébé pleure, puis c'est ça, c'est une douche de 30 secondes, mettons. Mais je trouve ça vraiment important, surtout pour le postpartum, là, de prendre au moins 5 minutes pour soi à chaque jour. C'est sûr que ça aide quand t'as quelqu'un qui est là avec toi, là. Moi, je suis vraiment contente que maman vienne m'aider, elle s'en vient dans une heure. Au début, c'était pas sûr si elle allait venir, puis là, j'étais comme, j'allais être capable toute seule. Mais mettons, mon chum revient à 10h à soir, c'est quand même dans longtemps. Comme je dis, tu sais, quand il va travailler le jour, mettons le matin, il part de 7 à midi 1h, c'est quand même un bon laps de temps que je suis seule. Fait que, disons que j'ai hâte quand il arrive. Puis, il est vraiment bon aussi, là, il s'occupe tellement de lui. Surtout les deux premières semaines postpartum qu'il n'a pas été travaillé. Mais il a été un petit peu, mais comme vraiment pas longtemps. Ou sinon il travaille de la maison, là, mais il m'a tellement aidé. En fait, c'est pas de l'aide parce que c'est son enfant, mais on s'entend que c'est souvent plus la mère qui fait les choses. Mais là, vu que je voulais vraiment récupérer rapidement, physiquement, pour aider mon mental, là, rien d'autre, il m'a vraiment aidé. Puis pour vrai, ça a vraiment fait la différence, je trouve, à récupérer rapidement. Ok, c'est ça. Je sais pas trop, le vlog va ressembler à quoi. En fait, ce sera peut-être pas un vlog, mais plus un. Chit-chat. Ça s'en vient bientôt, le Witching Hour. Si vous savez pas c'est quoi, là, vous irez voir sur internet, mais c'est le moment des tétés groupées le soir. Là. Il pleure plus, puis il sait pas ce qu'il veut, puis là, il est fatigué, mais il veut pas dormir. Puis il boit plus aussi. Donc, ça s'en vient bientôt, son heure. Je vais vous parler comme ça, peut-être un petit 2 secondes avant que j'oublie ce que je veux dire. Le parrain à Henri a acheté un chandail canadien qui a fait broder son famille, puis la date de sa naissance. C'est quand même une petite joke avec mon chum, je sens parce que mon chum, lui, il aime pas les Canadiens, il aime les Maple Leafs, puis tout le monde autour de nous, on s'entend, aime les Canadiens, fait que c'est quand même une petite blague envers mon chum. C'est ça, là, je filme un vlog parce que je voulais vraiment faire un, puis vous donner des nouvelles, mais comme je dis, je m'attendais à être déçue dans le sens que j'ai pas le temps de filmer, puis j'aurai pas le temps de faire le montage, je sais pas quand. Fait que bref, je sais pas à quel point je vais vlogger bientôt. Surtout que je vais pas filmer bébé, puis c'est pas mal ça ma vie en ce moment, fait que c'est un peu dur de filmer autre chose. Mais c'est ça, malgré les moments des fois qui peuvent être plus difficiles, autant mentalement que la fatigue, que le fait que bébé veut toujours être dans les bras, je me dis que c'est une pause, puis vraiment, ça passe vite, justement. Puis dans pas long, ça va être fini, puis je vais m'ennuyer de ça, fait que j'essaie vraiment d'en profiter, puis de pas me dire « Ah, oh, j'ai hâte qu'il fasse ci » ou « J'ai hâte qu'il soit plus grand pour pas dormir dans les bras » ou peu importe, j'essaie vraiment de profiter. Du moment qu'on a en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que peut-être pour ça que je vloggerai pas même dans les prochains temps. Vraiment pour profiter de mon bébé puis profiter de chaque moment puis d'être présente avec lui. Fait que voilà. Hello tout le monde, on se retrouve pas mal plus tard. On est rendu comme une semaine et demie après la dernière fois que je vous ai vloggé, je pense. Encore une fois, j'avais envie de vous vlogger cette semaine. Mais pas que ça a pas donné, mais c'est plus la motivation qui était pas là. Je suis vraiment comme... indécise un peu ces temps-ci. Je sais que c'est un phénomène très commun en postpartum. Se sentir un peu perdu ou de plus trop savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut. Je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est comme tu te cherches un peu si on veut pour les vlogs puis pour la création de contenu en général.
je me questionne full. On dirait qu'à chaque fois que je m'en vais pour poster quelque chose, je suis full dans ma tête, puis je me dis, ah, ça me tente pas de mettre ça, ou. Puis là, je regrette. Puis même pour le vlog, ça fait comme une couple de fois que je fais le montage, puis je le regarde, puis je me dis, comme, ah, je mets ça, ou je cancelle, puis je revloguerai comme plus tard dans une couple de semaines. En tout cas, je suis bien dans ma tête par rapport à ça, on dirait, je sais pas pourquoi. Des fois, je me dis, ah, ça me tente pas de le poster. Là, le lendemain, je repense ou je regarde des vlogs. Tu sais, des fois, j'ai le temps le matin pendant que mon gars fait la sieste. Puis là, je regarde des vlogs, puis ça me motive full à en refaire. Fait que là, à chaque matin, je suis comme, ah, je vais le poster finalement. Puis là, arrive le soir que ma tête est plus là, puis je suis comme, ah, ça me tente plus. Mais en tout cas, je vous dis ça de manière transparente parce qu'en plus, c'est ça, c'est comme mon travail, la création de contenu et tout. Mais ces temps-ci, ça me tente vraiment pas. Puis comme je dis, je suis comme en train de tout le temps me re-questionner quand que je veux mettre de quoi, fait que ça finit que je mets rien. Bon, c'est normal, puis ça va revenir, c'est vraiment pas grave, faut juste me laisser le temps, puis que je me pose pas trop mille et une questions par rapport à ça. Et c'est ça, pour revenir, parce que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était début avril, là on est comme mi-avril. Là on est mercredi le 15, je crois, si je me trompe pas. On est mercredi le 15, je sais pas. Aujourd'hui, je suis sortie avec ma mère puis avec Henri, on est allé faire des commissions au promenade Saint-Bruno, puis c'est la première fois qu'on l'apporte. C'est vraiment pour faire des commissions. Il est sorti, là, on s'entend, il est sorti de la maison une couple de fois. On fait souvent des marches à chaque jour, on fait des tours de taux. On est allé aussi chez mes parents, les parents de mon chum. Mais il n'était jamais sorti comme en public, si on veut. Ça me stressait un peu de savoir comment il allait réagir. Parce que des fois, il pleure, puis un pleur de nouveau-né, c'est assez intense. Fait qu'on dirait que ça me stressait de que ça arrive en public, si on veut. Mais là, avec ma mère, ou tu sais, si j'avais été avec mon chum, j'aurais été plus safe parce que juste seule avec le bébé qui pleure, je capoterais. Mais ça a super bien été, il a dormi tout le long. On est allé au Simons, on est allé au Avril, on a même pu manger au Avril, on a pris le temps de manger, puis ça a bien été. Je suis vraiment contente, ça me donne full confiance pour refaire l'expérience, puis même le faire toute seule. Là. Je vais pouvoir aller à l'épicerie toute seule avec, puis pas être stressée. C'est sûr qu'on part dans un bon timing. Il vient de boire, sa couche est propre, puis il vient de se réveiller d'une sieste. C'est ça, tout ça pour dire que c'est fou la différence qu'il y a en une semaine et demie. Là, t'sais, c'est sûr que ça évolue vite à cet âge-là, mais ça a tellement changé depuis là, la dernière fois que je parlais. C'est difficile pour lui de dormir ailleurs que dans nos bras. Puis je dirais depuis qu'il y a un mois, là, la dernière fois que je lui ai parlé, je pense qu'il venait d'avoir un mois, mais depuis ce temps-là, pour vrai, là, ça a vraiment changé. C'est fou. Il dort vraiment mieux ailleurs que dans nos bras. On est vraiment content de ça. Puis il dort un petit peu plus longtemps. Cette nuit, il a fait 4 heures, puis 3 heures. Fait que c'est vraiment le fun pour nous. mais c'est ça. Ça me permet de faire des choses pendant qu'il dort, justement, parce qu'avant, ben, il dormait dans mes bras, fait que je pouvais rien faire. C'est sûr que je vais m'ennuyer de ça, je le sais. Mais c'est sûr que j'en profite quand même encore une fois ou deux par jour que je le prends dans mes bras. puis faire des siestes collées aussi, j'aime full ça. Mais c'est ça. Je pensais que j'allais vous faire mon petit segment de produits essentiels pour bébé dans ce vlog-ci, mais je pense que ça va être quand même assez long, puis ça va être assez pour un petit vlog de retour. Je vous mets ça dans une prochaine vidéo. Fait que c'est ça. Laissez-moi savoir en commentaire peut-être de la petite motivation à faire plus de vidéos, des idées de contenu, ça m'aiderait parce que là, je suis comme ça dans ma tête, puis on dirait que je suis un peu perdue. Fait qu'un gros merci d'avoir écouté mon vidéo. Un gros merci d'être là aussi parce que je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté. Fait que si vous regardez ça, je suis vraiment contente. Bye tout le monde!